Bah là, on commence à filmer. Il y a Elias qui est dans le bureau. Alors, Elias, ce match contre Melun, là, et cette soirée qui va avoir lieu, d'ailleurs, méga soirée. Hein. Déjà, tu peux regarder la caméra et dire bienvenue sur Quacks TV. Bienvenue sur Quacks TV. Donc ce soir contre Melun, on va essayer de donner le maximum. On est en D'accord. train de se préparer pour la soirée qui va avec. Bon alors toi la petite, on va commencer par toi, comment tu t'appelles? Ouais, t'as quel âge? Bah arrête de bouger, tu fais la préparation? C'est pour le match contre Melun? D'accord. Et tu joues à Villejuif? T'es, t'habites en quelle, t'es en quelle équipe? En Benjamin. En Benjamin, et t'habites où toi, Villejuif? Ouais, juste là. D'accord. Un petit message pour encourager Villejuif sur Quacks TV? Allez Villejuif. Qu'est-ce que t'as à dire pour la préparation là? Juste ça à dire. Je pense que c'est bien parti pour pouvoir gagner ce soir. D'accord. Bon, tu penses que ça va être un bon match? J'espère. D'accord. Un petit mot pour encourager Villejuif? On est les meilleurs, on va gagner. Monsieur Bernard Château, bonsoir. Le match contre Melun et la soirée, en deux mots. Allons-y. En deux mots, travail, travail. J'espère que ça va pas être le mot de notre président, travailler plus pour gagner moins. Enfin, pardon, pour gagner plus. Hein? Non, c'est place aux bénévoles. Plus D'accord. de bénévoles. Plus de bénévoles. Ça va être un bon match? Il faut. Ok. Et la soirée, ça va être comment? Bah, c'est le moment de convivialité après l'effort. No stress. Merci tous ceux qui ont préparé pour la soirée. Qui se sont investis, oui, parce que c'est beaucoup de travail. Ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Maintenant, il faut que ça paye déjà sur le terrain. Que ça fait bouche de neige auprès des spectateurs et qu'ils prennent du plaisir à voir ce match. Et qu'on fédère un peu autour de cet événement et comme ça, il n'y aura plus qu'à le refaire après. Un petit mot d'encouragement pour Villejuif. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Se rappeler d'une chose, on joue à la maison. On joue à la maison, il y a Villejuif, on joue chez nous quoi. Il n'y a pas, tu vois, il y a tout le monde là. Hein. Allez Villejuif! Avec le feu! Là, je fais l'accueil. Ouais. Et voilà, j'ai. L'accueil, ça se résume à quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'accueille les personnes qui est la première fois qu'ils viennent quoi. Voilà, ouais. Je vais les accueillir et tout. Et t'essaies de les mettre à l'aise? Leur dire que s'ils vont passer une bonne soirée, et voilà, prendre leur numéro et leur email, leur adresse email, comme ça la prochaine fois, dès qu'ils viendront, bah, ils sauront qu'il y aura ce match-là, à telle heure. Ils viennent en vendre pas mal. Ouais. Maintenant, il va falloir la foule pour en vendre encore plus. Ensuite, petit spectacle encadré par Thierry Olbeck. C'est les placements pour Et après, je vais mixer pour la soirée qui se passe dans le gymnase. Et qu'est-ce que tu vas nous passer là comme titre là? Un titre qui bouge bien encore là. Tu vas réussir à les faire danser? Tu vas mettre le feu? Ouais. Allez, dis-moi que tu vas mettre le feu. Je vais mettre le feu ce soir. Ah, bah un peu mieux que ça, là. Je vais mettre le feu ce soir. Encore un peu mieux! Je vais mettre le feu ce soir. Gagner, c'est ce que je demande.